Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top du top. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je pense que vous l'avez vu dans le titre. C'est les fameuses, ça c'est pomme de terre et des pâtes de rave que j'ai déjà fait l'épisode. Et ben qu'est-ce que c'est? Et ben c'est le tournesol. Donc voilà, donc ça y est, le tournesol il est enfin sorti. J'attendais, je préparais tout. Donc là, ben, j'attends juste que il ramasse et j'ai mis l'ouvrier pour prendre et aller vendre. Bien sûr, aller vendre à un point de vente qui est assez, on va dire, assez près, qui n'est pas non plus à 300 km. Donc, on va pas aller là où il y a le magasin, par exemple. Oui, au magasin, on va y aller. Mais on va pas aller, par exemple, à l'autre bout de la terre. Par exemple, tout en haut au terrain 1, qui est en haut. Petit 1. Vous voyez, petit terrain 1. On va pas aller tout là-bas. Ça sert strictement rien. Désolé là si vous avez eu un petit truc qui n'a pas été bien réglé parce que des fois ma caméra, ma tablette, quoi, elle n'est pas très très bien. Des fois elle bug un peu. Voilà, donc là l'ouvrier, normalement, l'après-midi de l'ouvrier, elle est pleine. Ah ben non. Ah ben, mince. Bon, c'est pas grave. On va attendre juste qu'il ramasse assez, quoi. Pour qu'il soit assez plein, quoi. Donc, après, une fois qu'il va être plein, quoi, moi, je vais terminer. Bon, même s'il n'est pas plein, peut-être ramasser. On va juste un peu attendre parce que si on n'attend pas... Ouais, non, on va pas attendre parce que là, ça va être trop long pour vous. Vous allez trop attendre et ça va être trop pénible pour vous. Donc, bon, voilà, c'est juste ça, la base. Donc, c'est pas vraiment une grand chose, on va dire. Hein. Vous n'avez pas non plus beaucoup de... Donc, allez, on va te bloquer et tu vas nous le vider. On va même pas te bloquer, on va juste laisser vider, on va dire, voilà. Donc, ça vide jusqu'au bout. Et là, et après, ben, on va aller. Je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer. C'est le but de la vidéo. Que je vous montre. Oh, mais si ça n'arrête pas, ça va être trop pénible ça. Donc, je vais vous montrer comment. Donc, le but, ça va être de savoir comment planter le tournesol, comment le récolter et avec quoi. Et quel outil faut-il. Quelle machine faut-il acheter? Donc, ben, premièrement. Comme je le dis toujours, il faut aller dans les machines à la semencer. Et vous prenez n'importe laquelle. Elle qui fait des tournesols. Voilà. Le rond tournesol, ben c'est le tournesol. Voilà. Deuxièmement, il va vous falloir une moisseuse batteuse. N'importe laquelle, bien sûr, avec une part de coupe adéquate. Voilà. Donc, du coup, après, il va vous falloir un tracteur avec une benne. Voilà. Mais si vous en voulez pas, c'est pas obligé parce que vous pouvez très bien transporter votre moisseuse batteuse avec 100 barres de coupe et aller vider. Voilà, donc c'est pas obligé quoi. Voilà, moi je préfère parce que ça va plus vite. Et après, qu'est-ce qu'il va falloir bien sûr, un pulsivateur si vous voulez pour que ça arrose. Bon, c'est pas super obligé. Bien sûr, mettre le temps toujours x120 pour que ça pousse plus vite. Voilà. Pour que le temps il aille 100 fois plus vite et que ça pousse plus vite. Et surtout, il faut faire très attention que quand vous récoltez, surtout vous ne mettez surtout pas x120. Pourquoi? Parce que vous mettez x5 au temps réel. Parce que après, ça peut moisir. Donc quand ça moisit, bien sûr, on ne peut strictement plus le ramasser. Donc ben là, on va aller à notre point de vente. Donc du coup... là, on va aller au point de vente. Voilà, donc là, on va au point de vente. Attention, hop. Là, on va au petit point de vente. Tranquillou. Même si on a des petits accidents, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, si vous entendez la pendule sonner, c'est pas très grave. Et la porte, voilà, c'est juste parce que c'est ma maman qui est rentrée et qui est ressortie. Donc, c'est pas. J'espère que ça va pas déranger. Donc, ben là, on rentre. Hop.
Là, on va prendre, on va dire, la petite autoroute. Voilà. Un petit dérapage, même avec la remorque, on peut déraper quand même. Donc, c'est ce qui est assez stylé, on va dire. Voilà. Donc, oh là là, on prend tous les poteaux. Donc, du coup, là, mon tracteur, il va maxi 73 km/h. Donc, c'est ce qui est une vitesse assez bien pour un tracteur, on va dire. Parce que, voilà, c'est pas non plus trop lent. C'est assez rapide, quoi. Donc, voilà, donc à l'intérieur, il est assez beau. Donc, ben, là, je vous fais cette vidéo pour que ben, vous pouvez, à part si vous savez déjà, que vous la regardez comme ça. Voilà, pour que vous... Que si vous ne savez pas faire du tournesol, du blé, de ce que vous voulez, bien que maintenant vous avez compris comment le faire. Donc, j'espère que ça va vous aider. Voilà. Donc du coup, ben là, ça, je roule. Donc, ben, si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, ben, n'hésitez pas à aller les voir. Et surtout, vous pouvez me rejoindre sur TikTok. Mon compte, c'est Théo140. T-E-O 14. 140, pardon, c'est pas Théo 140, c'est Théo, T-E-O, 14, 140. Donc, voilà, donc du coup, là, après, on va vite vendre le tournesol. Donc, du coup, ben, c'est ce que je pense qui est assez bien. Donc, du coup, là, je monte pour aller le vendre. Et après, ben, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous l'avais vu dans le titre, ça a été de vous montrer comment planter le tournesol, quel matériel faut-il acheter et comment le récolter. Comment le planter, comment le récolter et quelle machine faut-il acheter. Bien évidemment. Donc voilà, ben là j'ai gagné un peu plus d'argent. Donc ben j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Donc ben si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Si vous ne le faites pas, ben c'est pas grave. Et si vous voulez la partager à vos amis, copier le lien, ce que vous voulez, ben vous pouvez. C'est votre porte, pardon, elle est ouverte. Et moi, je serais très content que vous ayez fait ça. Je serais très très content. Et sinon, ben, si vous voulez me poser des questions sur TikTok, moi, je me re-abonne à tous mes abonnés maintenant. Donc, vous pouvez vous abonner à moi. Moi, je me re-abonne et vous m'envoyez un message. J'ai vu votre vidéo sur YouTube, ta. Vous me posez les questions que vous voulez. Ou, si vous voulez, en commentaire des vidéos. Parce que je vais faire des vidéos comme ça sur Farming Simulator Nintendo Switch édition moins longue, bien sûr. Des petites photos ou quoi sur TikTok. Donc, ben, c'était Théo140. Donc, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et on se dit ciao les amis pour une prochaine vidéo.